Oh, je ne sais pas quoi faire, je suis en train de prendre la pause et il n'y a personne pour me regarder. C'est quand même bizarre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur King's Quest. Coucou, j'étais caché. Ah, méga blague. Ah, désolé. Donc, voilà, nous avons vécu les aventures, nous avons avancé. Bizarrement, il s'est passé plein de choses. On a chevauché un lapin géant pour faire une course endiablée. On a fait signer un autographe à Monsieur Muet. Chouchou, barrez-vous, saloperie de Bactracien. Et on a récupéré une grenouille, me semble-t-il. Où est-elle? Les grenouilles. Elle est là! Un crapaud puant. Voilà le contenu de mes poches. Ça ne veut absolument rien dire. Bon. Ce qu'on va faire, on va aller essayer d'utiliser ce crapaud puant, merci les autres viennent, chez nos amis apothicaires qui vont peut-être me concocter quelque chose. Enfin, en tout cas, je me rappelle qu'ils m'avaient demandé un crapaud, mais je ne sais plus pourquoi. Donc c'est parti, nous partons fièrement vers le village. Je sais pas si on est proche de la fin du chapitre, j'allais dire du jeu, mais non, oui, c'est un jeu épisodique. Oh! Ils sont tous dehors. Que fait-elle? Bonjour madame. Ram, je vais prendre l'air pour travailler sur mon projet de dague. Ah, c'est cool. Très bien, c'est gentil. Comment je m'en sors jusqu'à présent? T'étais sans doute venu en ville pour montrer que t'étais un petit génie. Mais je suis contente que tu fasses en réalité partie de ceux qui se battent avec les mains. Et non avec l'esprit. Je pourrais malheureusement pas t'admettre dans les sentinelles anti-lupines. T'es trop étourdi pour ça. Merci, tu viens de m'humilier. Au revoir. Fais confiance à ton instinct. D'accord. Bonjour, monsieur Gâteau. Oh, j'adore cette journée. Comment je m'en sors jusqu'à présent? Tu veux un câlin? Franchement, qui t'a fait mal? Oh, mais ça suffit avec cette évaluation. Je me marie et je suis de très bonne humeur. Ah, tu m'as dit la même chose l'autre fois. Allez, on abrège. Au revoir. Bye bye au rhum. Oh, tu mérites tellement la mort pour ça. Allez, on va aller voir le couple de Frix. Où ils sont, frères et sœurs, je ne sais plus. Ils ont l'air consanguins, quoi qu'il en soit. Quelle sagesse pouvons-nous partager aujourd'hui? Ah oui. Ah non, mais non, non. Adieu. Adieu. Il faut toujours voir la vie avec intelligence. C'est vrai, c'est vrai. Un petit crapaud? Allez, crache pas sur un petit crapaud. Oui, oui, oui. Donne-moi ça, garçon. Oh, ça a marché. Splendide. Notre potion de blanchiment des dents est terminée grâce à toi. Oh ouais. Et une promesse est une promesse. Dégalasse. Voilà ton échantillon, mon garçon. Et tu as quelque chose qu'il faut faire changer de couleur? Quelque chose qui doit ressortir? Utilise-la bien. Il n'y a qu'une seule dose. D'accord, on peut blanchir les dents. Donc je peux blanchir un truc avec, très bien. Wendy, j'ai faim. Je veux une tourte. Mais alors, surtout pas de câlin. Il est creepy ce pâtissier. Ok, donc. On a un truc pour blanchir les trucs. Ouais. Ça c'est cool. Ok, attendez, je réfléchis. J'aurais quasiment tout visité, je crois. On a libéré le destrier, on a fait la course avec. Il faut faire le duel d'intelligence, c'est ça? Mais... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vas-y, c'est un gang d'écureuils, là. Vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Hé! Hey! On pourrait dire que les écureuils de Daventry nous cassaient les noisettes. Non, non, on ne t'y met pas aussi. T'es pas obligé, non, mais... si tu veux pas. J'en peux plus, ces jeux de mots. D'accord. Mais je peux pas passer alors, comment je fais? Ils seront toujours là? Oui, toujours là. Non. D'accord. Peut-être leur donner un truc? Non, si je les change de couleur, si je les pique avec un bâton, une photo, un autographe... Ah, les chaussettes, peut-être elle aime les chaussettes. Il y a le beignet aux noisettes aussi, au pire, de la bouffe. Je sais pas. Voyons. Attends, elle a du tissu sur elle.
C'est tricoté, voyons. D'accord, je vais essayer autre chose. Elle veut pas les chaussettes. Bah, la bouffe alors. J'espère que cela vous plaira, princesse Madeline d'Avalon. Ah ! Mais oui ! C'est l'écureuil de l'autre. D'accord. La tension entre la guilde des trolls de pont et la garde royale n'a jamais été si élevée. Il faut trouver un accord rapidement. Les ponts doivent nous laisser passer et faire part de leurs doléances. Nous voulons que vous marchiez plus doucement sur nos dos. Soyez respectueux du géant dont vous écrasez les épaules. Arrêtez de vous plaindre et retournez au travail. On en a assez de se faire marcher dessus. Vous ne vous intéressez qu'à vos problèmes. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Excusez-moi, j'aimerais avancer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pont. Tu es un pont et tu ne fais pas ton travail. C'est très intéressant. Mais enfin, oui, on fait notre travail depuis des générations. Mais on n'en peut plus. Je voudrais attendre. Débrouillez-vous pour être un peu plus doux. L'autre rive. L'accord que vous avez avec Daventry stipule clairement que vous servez de pont aux endroits indiqués. Je vais vous couper la parole. Il stipule. Je n'ai pas de temps à perdre avec des avis. Il faut qu'on trouve une solution pour les ponts. Je suis désolé, mais le problème est inchangé. Retournez au travail. Et on veut que vous arrêtiez d'aiguiser vos bottes tous les soirs. Impossible. Le règlement dit que nous devons aiguiser nos bottes tous les soirs pour qu'elles claquent bien. Oh, allez, faites un effort. Tout ce qu'on vous demande, c'est de marcher doucement. Et de ne pas marcher militairement? Jamais. Notre marque... Désolé, Graham, mais on ne veut pas d'autre avis. On veut des solutions. Alors, il faut que vous changiez la marche officielle en bottes claquantes pour une marche en chaussons délicats. D'accord. Impossible. Il nous a fallu des mois pour mémoriser notre marche actuelle. Oh, mais c'est quoi ce mur invisible? Oh là là. Nous ne bougerons pas avant un compromis. Si vous continuez de cesser le travail, le c'est roi chiant. Édouard va... Où as-tu trouvé ça? Mais tout ce qu'on veut, c'est que vous fassiez des efforts. Remettez-vous au travail. Marchez doucement. On ne se bat pas pour une paix. Arrêtez de manger les gardes. Plus de maintenance. Travaillez plus. C'est pour moi? Oh, j'ai l'impression de marcher sur des nuages. Et quel admirable travail. Il en faudrait une paire pour chaque garde royale. Ah, elles sont douces et soyeuses, mais ce n'est pas prévu dans le contrat. Je pourrais créer un addendum pour ça. On pourrait marcher comme on veut, okay. Tout en étant protégé par les chaussettes. Je pensais pas que ça allait marcher, perso. Oui, ce serait super. Un vrai compromis qui satisferait tout le monde. Je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire. Merci, Graham. La guilde n'oubliera pas. On se revoit à la prochaine réunion. Les nouvelles chaussettes ont adouci les choses. C'était un pas dans la bonne direction. Ferme-la. Comment ça m'y faire ? Ferme-la définitivement. Je suis content parce que, pour les trolls, ce n'était pas le pied. Franchement, Papy Graham, là, tu t'es fait dans la couche. Que se passe-t-il ? Ouah, téléportation instantanée. C'était bien par là qu'il faut aller ? Ouais, c'est par là. Ok, très bien. Bah, on avance. Cool. Oui, les chaussettes, évidemment. Évidemment. J'ai mis ça au pif, mais en fait, c'est la solution. Ah, mais c'est lui, c'est mon copain que je vais affronter. Et il va me laisser gagner. Bienvenue au duel d'esprit du championnat. Enfin, la version familiale. Coupure budgétaire. Mais prends tes aises. Et sache que nous avons déjà gagné. Notre allégeance nous garantit une bonne place à la cour du roi Édouard. Et comment c'est censé marcher ? Ha ! Avant de parler des règles, je propose un toast et j'offre une opportunité. Ce jeu embrase l'imagination de certains, mais je le trouve trop simple. Il lui faut un défi mental supplémentaire. Garde, le cidre de raisin, je vous prie. C'est mon jeu préféré, mais je n'y ai plus joué depuis longtemps. Tu connais la poudre d'hypnose ? Une simple dose et tu devras faire tout ce que je te dis. Ou vice-versa, bien sûr. Mais il veut me droguer. Voilà pour la poudre. Garde numéro 2, si tu veux bien. Ouah, non, j'ai pas suivi, là. Donc c'est du pif, c'est du random. Alors, j'aimerais bien vous solliciter, vous qui regardez la vidéo, mais c'est trop tard vu qu'elle est déjà tournée. Donc je vais prendre à droite. Je prends ça. Alors, est-ce qu'il m'a mis... Est-ce qu'il y a le GHB dans celui-là ? Oui, non ?
Il y a le GHB. Apparemment, tu as le vainqueur. Et maintenant, on joue. Je crois que je vais germer. D'accord, donc c'est pas des échecs, c'est pas des dames, le comment ça marche? Le but du duel d'esprit est de toucher le pion de l'adversaire avec une flèche en déplaçant ses pièces sur l'échiquier. D'accord. Ton pion tire une flèche après son déplacement. Je commence. Ok. Quand j'aurai bougé ce bouclier, c'est un mini-chine. Regarde comment la flèche rebondit sur les boucliers. D'accord, vas-y, fais péter, je suis chaud là. À ton tour, Graham. Je tire dessus. Je ne veux pas faire mon garde royal, mais les règles interdisent de bouger un bouclier que l'adversaire a déplacé au tour précédent. Déplace le bouclier en bas à gauche sur ta gauche. Oui. Cela me ravit que nous travaillions au château. Ah ben oui, il m'a drogué, donc je fais exactement ce qu'il dit, d'accord, ok. Et si je deviens roi, tu feras un excellent conseiller. Je vais déplacer... Donc s'il perd, il est très mauvais alors. Il faudra qu'ils acceptent que ce qui compte, c'est à l'intérieur. Adadom, tu peux déplacer un pion et le faire pivoter pour changer la direction de son tir. Fais pivoter le pion dans le sens des aiguilles. La flèche part toujours dans la direction que tu regardes. Tu comprends combien j'ai dû planifier pour en arriver là. Je vais faire pivoter ce bouclier. Ouais, mais là c'est relou, si tu contrôles mes actions, si j'ai aucune liberté, ça va pas être cool. L'effet de la poudre d'hypnose s'estompe. Donc il faut que je tire sur son bonhomme en fait. C'est pas que ça fasse une différence. Ah d'accord, je suis libre. D'accord, il n'y a plus de GHB, très bien. Très bien, très bien. Donc il faudrait que je bouge, attends. Parce que là, ça, je vais tirer là, ça va rebondir là. Il faudrait que je déplace celui-là, là, mais ça va partir. Il faudrait le tour suivant le faire bouger. Voilà, reste là. Toi, Alfred, tu me le... On dirait que mon intelligence règne en... Oui, oui, c'est ça. Non, il a pas le droit de le bouger. C'est ce qu'il a dit comme règle. Il peut pas bouger le... Oh, espèce de sale. Quoique non, ça marche. Non, il va me buter. Ah. Garde, j'ai gagné. Mettez à jour le tableau des scores. Nous devons faire quelque chose. Graham va perdre. Le scénarium qui se remet sur les rails. Vraiment? Mais vous savez tous que j'ai gagné. Désolé, mais le décret 3214 dispose qu'un garde royal doit assister à tous les combats et que les victoires doivent être validées par huissier afin d'être enregistrées. Ah, c'est truqué, c'est trop bien. Béni soit ce jeu. Le jeu de la fumisterie. Huissier ne valide la victoire. En conséquence, cette victoire est annulée et vous devrez remporter une nouvelle partie. Nous sommes désolés, mais vous parviendrez sûrement à obtenir une nouvelle victoire. Vous oui, êtes bon, les gardes les plus ridicules que j'ai jamais rencontrés. J'ai perdu une vie, quoi. Allez, on recommence. Ça ne fait que repousser mon adoubement. Je suis prêt pour une nouvelle victoire. En garde. Oui. Donc, re-GHB. Attends, il n'y a pas moyen de faire des trucs. Ok, hein, c'est rigolo, ça. Asseyez-vous. Commençons. Ok. Tu pourrais peut-être trouver un moyen de pister la coupe. Pister la coupe? La coupe là? Les gobelets étaient cachés derrière Manny. Comment déjouer sa tactique? Quoi, on peut les piéger? Ah, le machin, attends. Potion qui modifie la couleur. Ah, peut-être que si je saurais dans lequel il y a la drogue, je ne sais pas. Attends, on va essayer. Voilà! Mais il va le capter à 200 000 ou alors il est très très con, je sais pas. Déjà de retour, du jus de raisin. Mais non, il y a un blanc. Une impression de déjà vu. Poudre d'hypnose. Mélange. Bon, c'est pas grave, il a mis dans un cidre de pinard, je sais pas quoi. Voilà, donc je prends le blanc, évidemment. Parce qu'il a pas été souillé, qui était à droite aussi. Je prends ça. Tu as choisi
judicieusement. Oh, excellent choix. Et je n'ai plus de poudre d'hypnose. Et maintenant, on joue. Allez, come on. Come on, come on. Je sais comment ça marche. La même attaque ne fonctionne pas deux fois sur un chevalier. Alors, donc il faut que je... Je peux soit rotater, faire un déplacement. Donc, je réfléchis. Si je tire sur celui-là, il va ricocher sur celui-là. Et si je pivota. Et swick. Alors je déplace celui-là. Mais il faudrait le rotater aussi. On va juste déplacer celui-là en fait. Voilà. Je peux faire qu'un mouvement. Ouais, après il tire. Là je vais me bouffer la flèche. Ok. J'aimerais avoir d'autres poudres pour améliorer. Je peux pas bouger celui-là. J'ai vu suffisamment de poudre magique pour aujourd'hui. Ça fait ma cache, voilà, ça part là. Donc, si, attends, je vais bouger celui-là maintenant, comme ça si je bouge après l'autre, il pourra pas le modifier s'il reste à côté de son perso, si je fais juste un déplacement. On va faire ça, on va rotater. Voilà. Rotate. Bring the noise, ça va partir à droite, ok. Pas loin, mais non. Évidemment qu'il allait me pourrir la vie. C'est normal. En zéro. Zéro pointé, tu sors. On va l'avoir. Je vais placer ça là. Celui-là là. Donc celui-là, il ne peut pas le déplacer. Donc lequel va-t-il bouger? Non, ça c'est nul. Tu essaies de m'avoir, hein? Non, pas du tout. Attends, qu'est-ce que tu fomentes, mon cher ami? Attends, je réfléchis. Est-ce que je peux déplacer mon petit perso à moi, au pire? Et attends, si lui, il déplace... Ouais, non, c'est chaud pour mes fesses. Je vais laisser la protection là. On va essayer... Finissons-en. Oui. C'est le duel d'esprit, pas le duel d'atermoiements qui n'en finissent pas. Mais tu te calmes, oui, s'il te plaît. Respecte-moi, on va mettre ça là. On va essayer d'anticiper ses mouvements, voilà, ça c'est nul. Tu as laissé une ouverture là, Graham. Mais que dalle. Oh, je l'ai pas vu venir. Que dirais-tu d'assistant royal de sa majesté, Graham? Oh, je me suis fait mindé. Huissier, s'il vous plaît. Le décret 3214. J'en ai peur. Incroyable. Du coup, j'ai plus la popo, là. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu veux danser? Non, je veux pas danser, ouais, avec toi, t'es trop petit. Je n'ai pas peur. Un petit nabo. Pourquoi ces abrutis refusent-ils ma victoire? Mais parce que t'es un nabo, c'est tout. Attends. Réfléchissons, soyons intelligents, on va le faire avancer. Voilà, je ne sais pas ce que ça fait. Ploup! J'essaie de te viser. Qu'est-ce que tu J'ai envie penses de te péter la gueule. Vas-y. Elle est pour moi celle-là. Elle est pour moi, j'y crois. Il va me faire un coup fumant. Non, ça va. On gère, on se concentre. Ça suffit. On va pas passer la nuit sur cette étape. Gibigougou, qu'est-ce que je fais? Attends, on va y arriver. Si je rotate celui-là. Ouais, ça ne m'ennuie pas qu'on réfléchisse en profondeur. Mais prendre une décision, c'est bien aussi. Attends, mais je peux pas le bouger celui-là? Non? Attends, c'est parce qu'il a bougé? Je ne sais plus, je suis perdu. Attends, on va y arriver. On va rotater celui-là. Je pense que c'est bon. Allez, fire. Intéressant.
Ah ouais, j'ai failli tirer sur le garde à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, attends, attends. Nota bene, ne pas bouger le truc vers le haut. Attends, va, va, va. S'il te plaît, laisse-moi réfléchir. C'est comme les échecs, en plus nul. Voilà. Ah ah! Échec! Échec du tir de flèche! Je me débarrasserai d'abord des chaussettes. Oui, oui bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous avez avec vos chaussettes, vous dans ce pays? Attends, attends, tu fais quoi? Tu fais quoi? Calme-toi. Il fait de la merde. Ça va, il fait de la merde. Voilà, hop, tout marche bien, oui voilà, c'est ça la strat. C'est simuler suicide. Tu es sûr de pouvoir supporter une victoire, grave? Mais oui. Ce serait mieux que je prenne le château d'abord. Oui, on verra ça, on verra ça. Joue, joue pleutre. Attends, 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 non, c'est toujours nul. Attends, attends, il y a une ouverture, il y a une ouverture. Oui, oui, ça passe, ça passe, ça passe, dites-moi que ça passe, ça passe. Si, ça passe, s'il vous plaît, je vous donne une pièce d'or, il me reste une pièce d'or, je vous la donne, ça passe. J'ai réussi, garde, je suis prêt pour le décret 3. Oh là là, ce jeu de merde, en fait, purée. C'était le décret 1.21. Mais oui, effectivement, c'était ça. On était capable. Tu n'es pas dans l'alliance, je ne peux pas perdre face à toi. Que dis-tu d'un autre défi? C'est terminé pour toi, mon cher ami. Un vrai gentilhomme gagnerait aussi dans un duel de force. Ah, tu veux qu'on se la donne? On va se la donner. Prends ça. Choisis, chez bébé. Ça, allez, vous êtes creepy, allez, je veux plus vous voir, vous. Voilà. Le gâteau, mais bien sûr. La tarte à la crème. Qui veut une pièce d'or? Qui veut une pièce? Non, trop évident, trop, je ne sais pas ce que c'est. Mais oui, mais toi, je t'aime bien, je veux le gâteau. Donne-moi le gâteau. Ha ha! La pâte est plus forte que l'épée! Enfin, que la masse d'armes. Que le Morgenstern, je ne sais pas. Oh, parade! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se la donne? Il veut la tarte? Oh, cadeau! Un peu de crème. Pour ton visage. Oula, oula, oula! Mon dieu, il y a trop de beurre. Encore un défi. Tu penses t'en tirer dans un duel de vitesse? Non, Manny, c'est fini. Ce ne sont pas toujours les forts qui gagnent la guerre, ni les rapides qui gagnent la course. De même, on peut vaincre les malins, et je crois que mon heure a sonné. Allez, Graham, encore un duel pour Achaka, pour le village des Tritanguiens affamés. Hop, 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 hop. Vous dites que ce village abrite les Bigratouliens. Quel est votre plan, en fait? Parce que je commence... Duel de vitesse! Ah, tu étais un traître depuis le début. Il n'en vaut pas la peine. Merci les gars d'avoir triché. La grève du pont résolue, les boutiques pouvaient être de nouveau approvisionnées. Les affaires reprirent enfin. Les trois seules boutiques de Daventry ont pu reprendre leurs affaires. Les loups Wetzel cessèrent leurs attaques et migrèrent au nord. Attends, c'est la fin? Même les gardes se mirent à faire plus attention en marchant. Ça m'en a tout l'air en tout cas. Bien que je n'eusse pas obtenu des cuissons anti-lupin, je dois reconnaître que cette première journée à Daventry s'était bien passée. Ah, c'était qu'un jour. C'était waouh. Attends, tu as affronté un dragon, tu t'es fait des amis étranges, un duel d'esprit, je comprends pas. Quoi donc? Après une telle aventure, on deviendrait plutôt fou allié que chevalier. T'as compris le jeu de mots? Dis-moi, était-ce ton premier jeu de mots? Je crois bien. Mais quand même, j'ai un peu honte. Mais tu devrais.
Ils grandissent si vite. Tellement chiant, ces le petits cons. Il va commencer. Tu ferais mieux d'y aller, jeune fille. Et n'oublie pas de tricher. Et surtout, n'oublie pas. Remporte le duel avec bonté. Tu m'as pourtant parlé de dextérité. C'est vrai. Ressonger au passé m'a rappelé certaines choses que j'avais oubliées. Mieux vaut faire ce que je fais, pas ce que je dis. D'accord, grand-père. Merci. Tu vas regarder ? Bien sûr, bien sûr. J'y vais dans un instant. Ok, donc là c'est le tournoi. Ah, mais oui, il y a le petit débile, ok. J'espère que tu t'es entraînée, Gwendoline. Non, j'ai juste entendu des histoires. Elle a un bon petit look, c'est cool. On peut jouer ou pas pendant cette phase, non? T'as des QTE, il faut faire un effort. Utilise la pâtisserie. Oui. Les œufs mimosa. Arrête ça. Attrape. Mais... qu'est-ce que... tu fais? Juste une provocation. Eh ben, ils sont tous bons. Pas mal. Les enfants. Venez, vite! C'est votre grand-père! Oh non, il est pas mort! Oh non! Papy Graham! Ne laisse pas ton royaume orphelin! Dis pas que c'est un cliffhanger. Eh oui! Oh, la fin de la tristesse! La fin de l'amertume! Bon. Chapitre 1, c'est ça. On est arrivé au bout du chapitre, écoutez. Ma foi, c'était sympathique, on s'est bien amusé, c'était rigolo. Ça tournait un peu en rond, il y a des facilités scénaristiques. Enfin, je veux dire, voilà, on tourne dans la même zone à récupérer des objets. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont tous servi. Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais je crois qu'il y a plusieurs embranchements différents. Il y a des fins alternatives, enfin des arbres scénaristiques un peu alternatifs. Il y a justement des passages où Hachaka peut survivre. D'après ce que j'ai entendu. Et voilà. Donc écoutez, c'était une belle aventure. Je vous encourage de le faire, ça peut être rigolo. Je sais plus combien de temps ça m'a pris en tout. Bon, j'ai fait un peu le sac j'imagine. Mais voilà, c'est un jeu, ma foi, fort sympathique. Et puis je l'ai vu passer en solde pas très cher. Enfin, le chapitre 1 en tout cas. Parce qu'il n'est pas sorti intégralement, il n'y a que deux chapitres disponibles. Donc voilà, je ne sais pas si je ferai le chapitre 2, peut-être, sans doute, je verrai. Mais ma foi, c'est plutôt rigolo. Voilà. Donc ce coup-ci, je vous laisse pour de bon. Je vous fais des gros bisous, Paulu Barbu. Et voilà, et je vous laisse sur ce fond d'écran de King's Quest avec ce gramme un peu dubitatif. Voilà. Écoutez. Allez, je vous laisse tous. Salut, bisous, Paulu Barbu. À la prochaine.